Salut, j'espère que tu vas bien, merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis parti à la côte belge, comme tu peux le voir, il fait super beau. Ouais, donc t'as remarqué, il fait pas beau du tout, il fait très gris, il y a eu de la pluie la matinée. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une plage qui est vraiment bondée de monde, qui était bondée de monde il y a encore 2-3 jours, parce qu'il y avait plein de soleil, il faisait bon. Et là aujourd'hui, ben voilà, je suis en tenue presque d'hiver là. Petite plage qui est vraiment désertée aujourd'hui à cause du mauvais temps, et ça m'arrange bien, je fais mon petit tour. Je serai équipé aujourd'hui de l'Equinox 600, monté avec mon disque préféré, le disque 15 pouces de 38 cm de chez Minelab. Allez, c'est parti. Bon, alors première petite cible ici à 12-13. On va essayer de la localiser proprement. Ok, c'est là-dedans. Je sais pas, quelque chose de noir. À voir. Hein. Alors j'ai un nouveau son ici qui sonne à 18, 19, 21. C'est pas très profond. Je pense que c'est dans la partie haut. Ok, c'est sorti, c'est déjà ça. C'est ici. Ah d'accord, hop. Première petite monnaie, petite 50 cents. Bon, ben voilà, allez. Bon, j'avais des sons qui étaient quand même assez mauvais, je trouve. Et en ce temps, j'ai quand même quelque chose, mais j'ai peur que ce soit juste une grosse merdouille. Cette roche noire. Ouais, je crois que c'est ça. Je pense qu'on a... Ouais, c'est ça, ouais. Une coque. Bon, ça sonne pas très bien en plus, hein, mais voilà, je voulais quand même le creuser pour voir un petit peu ce que ça donnait. Mais bon. Bouffé par la mer, par le sable, donc c'est impossible de voir ce que c'est. Ce qui est super intéressant sur cette plage, c'est que ici aujourd'hui il fait vraiment pas beau, donc il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a personne. Il y a quelques jours c'était plein soleil et donc ben, cette plage était bondée. Donc voilà, il y a plus de chances quand même de trouver des choses. Même si pour l'instant, voilà, sur les 15 minutes que je suis là, je n'ai fait que 3 trous, dont une monnaie, donc ce qui est plutôt pas mal pour commencer. Alors ici j'ai deux cibles, une qu'on ne voit pas. Et l'autre ici qu'on peut voir, hop, avec un petit reste de pinceau. Regardez que tout le monde a la poubelle. Hop. Et donc ici, deuxième son à 16, 17, ça varie entre 15 et... En tout cas, ouais, ça monte jusqu'à 20 aussi quand même. Je pense que c'est possible. Et voilà, je vois d'ici, hop, voilà, une canette, hein, c'était ça. Le reste ici. On va prendre aussi bien sûr. Okay, c'est sorti. C'est peut-être ça. Non, c'est un filet de pêche. Ok, je suis dessus. Ah ben voilà, hop. Comme quoi, toujours creuser à côté des merdouilles, 2 euros. Un pinceau, une canette et 2 euros, c'est pas génial. Pas fini, à mon avis il y a certainement encore une canette ici, c'est exactement le même son. Et la deuxième. Mais ça va, j'en ai pas encore trop fait là pour l'instant, je trouve. Alors là j'ai un son bien haut, 20, 21. C'est sorti. Ok, c'est dedans. Ah, je le sens. Ah, 1 euro. Ah non, 20 cents. 20 centimes. Là, je peux déjà me payer deux cafés, tiens. Deux petits cafés. Là. C'est pas nickel, ça. J'avoue, je préférerais quand même une fois faire du gold. Parce que je pense que le seul truc que j'ai fait sur plage, c'était une alliance en argent. Avec des petites pierres dessus, qui était très sympa, que j'ai fait en Vendée. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Hein. J'ai un son ici, mais j'en suis pas sûr du tout, parce qu'il doit bien à côté. On va essayer de le faire, on verra bien. Ah,
Ah bah regardez, encore une petite monnaie de 10 cents, celle-là un peu plus vieille, elle commence déjà à être un petit peu verte là. Bon, bien. Ok, je le vois d'ici. Un petit fil de fer. Ça souffle aujourd'hui, mais c'est un truc de fou. Voilà un beau gros indice instable qui, ça, ne présage rien de bon. C'est sorti. Voilà, c'était ça en fait, j'avais pas vu que c'était ça. Un briquet. Alors là, j'ai un son qui varie entre 8 et 11. Donc ça a l'air petit quand même. Je dirais que c'est là-dedans. Non, c'est pas encore là-dedans. Ouais, comme je disais, c'est petit. Je suis dessus là. Logiquement, c'est là-dedans. Ouais, ici. Ok, c'est ça. C'est encore une crasse noire là. Un vieux reste de métal. Alors ici, j'ai un petit 18-19 qui n'a pas l'air très profond. Ok, c'est sorti. Oh. Oh putain. Alors ça les gars, si c'est du gold. Alors ça, ça brille bien en tout cas, c'est bien doré, c'est un petit masque, une petite tête comme ça là. C'est bien lisse. Ah oh, génial, je crois que c'est un pendentif en fait. Regardez, il y a un crochet. Juste là derrière, là, il y a un petit crochet. Faut que je puisse aller voir un petit peu à l'intérieur là. Je crois que c'est un genre de pendentif avec des genres de feuilles peut-être, des feuilles d'or ou quoi, de plaquer dessus, parce qu'on voit à l'arrière que c'est pas hyper lisse. Bien joli cette petite tête dans le sable comme ça là, ça mérite quand même bien une petite photo ça. Bon bah c'est pas encore le gold hein, j'y ai cru là. C'est pas grave. Bon j'avoue, c'était du gold là, je l'aurais dédicacé à Rémi, hein, à Remol, parce que quand je suis parti là dans mon road trip, j'ai pas fait de gold et là j'y ai cru quand même. Je vais quand même vérifier un petit peu ce que c'est comme genre de pendentif. En tout cas, c'est super joli quoi. J'espère que. De toute façon, je mets une petite vidéo là. Je vais la mettre en grand, je pense, même en incrustation pour que vous puissiez vraiment voir comme c'est super joli. Allez. Alors j'ai un 12 qui parfois monte à 18. Par ici. Ok, je vois une capsule. Ma poche à merdouille commence à être pleine là. On va trouver une poubelle pour mettre tout ça. Et puis bah, je pense qu'elle sera bonne pour aujourd'hui. Bon alors je suis rentré à mon van, j'ai rangé mes affaires, j'ai jeté les crasses dans une poubelle qui était ici sur le bord de plage. Ça a été une petite sortie assez sympathique, vraiment express, je crois que je suis sorti 1h30 maximum. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. Et je te dis à très vite, ciao.